avec le deuxième morceau de Mon Désir, on l'a actuellement sur le morceau phare dans les années qui nous donne encore de beaux souvenirs, mais la mer demeure toujours d'actualité. C'est le 13 février qu'on va se laisser. Salut à toi, maître Abou de Fidoumé. C'est Chantaï. Voilà le morceau. Oh non. Oh non. De Valentin, faut venir. D'après Mon Désir. Il a le remède. C'est le 13 février. Si tu n'as pas de Valentin, viens, le médecin est là. Si tu n'as pas de Valentine, le médecin là, Mon Désir, te donne un peu de stress de vie. Fils de Rabban, le 13 février, le rendez-vous de Mon Désir. À Carcahain, le 13 février. Le 13 février. Le dur des durs, c'est si tôt. Il n'y a pas l'autre soir. Le 13 février, c'est le rendez-vous de Mon Désir. Mon Seguela, Rodrigue, le doux puissant RG. Le 13 février, c'est le grand rendez-vous de Mon Désir. L'enfant de Petit Diopé, toujours Choco. Merci, papa. Maman Véro Véro, la rageuse ne sort pour sous, très trop fort. C'est le 13 février. Maman Poyo, 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 Maman Poyo, 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 Chacun doit partager à 100 personnes. Rodrigue, partage à 100 personnes. Allez, partage, partage, partage. C'est le plus grand média, ouais. Le 13 février. C'est le 13 février, le grand rendez-vous de Mon Désir. On en parle tout à l'heure. Sola, 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 sola
Zona, Monseguera. Sèche là où l'homme du de patrouille de Péoué, Seigneur. C'est le 13 là, va les gars, je vais gâter en danse. Ça ici, toi, tu connais? Aussi un joueur de plus à ta mère, à ma reine de mon désir. Il n'a pas voulu l'air. Pas mon modeste, le père Choco. Non, t'es Christian. Le père Papa, on pense à la deux. Yeah, t'es pas où? Debout. Bon, on va écouter le morceau qui va. Et puis voilà, allez, voilà, Véro, on va écouter ça. Et puis on va demander les notes à la main. Partagez.
Bobo est plus en face à mon désir. Oh les mamans, cette semaine, c'est pour vous. Amoureux va tuer. Peur à mon désir. Il dit, si tu n'as pas de Maman, tu dis quoi le réseau? Mon technicien, est-ce que tu as pris le réseau? C'est propre?
D'accord, maman, faut voir ta connexion. Chez nous ici, là, c'est propre. Hein, maman Véro? Mon désir, docteur, mon désir. Comme ça, danser, je peux aussi. Ça, c'est quand la couette, d'accord, maintenant, avec toi. Hein. Voilà, là, tout est bouclé. Le 13, là, 15, c'est bouclé, là. Voilà, il est minuit. L'homme toujours choqué. Les passés. Tu vois, la fin des amoureux, le 13 février, la résidence a beaucoup de concentration. Attends. Et quand la goût est d'accord maintenant? Débat. Là, elle est d'accord là. Voilà, en tout cas, vraiment, nous sommes en train de passer un excellent moment avec vous et puis. Une belle fin de semaine qui est en train de se conclure avec l'artiste Mon Désir qui est sur ce plateau de notre émission. Et si on en parlait, pour parler d'un événement très très important dont je vous ai déjà annoncé la couleur de cet événement, un événement de taille, un événement historique, un événement qui ne sera jamais oublié dans le beau souvenir des amoureux et même des plus amoureux. 13 février, c'est au Temple Ouai. Mon Désir est là, c'est le médecin. Lui, chaque année, il prend toutes ses dispositions dans son cabinet pour régler une bonne fois pour toutes tous ceux qui ont des problèmes de Valentin, tous ceux qui ont des problèmes de Valentine. Alors, chaque année, si tu as raté le 13 là, tu es obligé d'attendre encore le 13 février de 2022 pour que ton problème soit réglé. Et puis, il faut dire aussi que Mon Désir, ce n'est pas un médecin généraliste en amour. C'est un spécialiste. Voilà, c'est un médecin spécialiste. Voilà, dans les questions de couple, dans les questions d'amour. Voilà. Donc, vous pouvez avoir, on annonce beaucoup de spectacles par-ci, par-là, la fête des amoureux. C'est ce qu'on appelle... on a le temps formaliste, ça c'est le temps formaliste, comme on parle de la fête des amoureux, donc tout le monde, il faut organiser une cérémonie des amoureux. Mais avec Mon Désir, c'est une affaire annuelle. C'est aussi sérieux pour pouvoir en faire de ça une affaire formaliste. Non seulement Mon Désir, quand il organise une fête, la cérémonie des amoureux, il règle le problème de ceux qui n'ont pas de Valentine ou bien les Valentines les ont dessus. C'est vice-versa, hein, parce que les Valentins aussi déçoivent beaucoup. Donc, il règle ça. Et il faut dire, c'est comme quand tu vas à une veille de prière. Imaginez-vous, quand tu vas à une veille de prière, là, onction qui est là-bas, là, c'est pas bon. Matin même, quand tu rentres là, non, tu es onctionné. Et là, avec Mon Désir, ça là, si tu as raté ça, là, c'est pas bon. Partagez, hein, partagez. Parce que affaire d'amour, là, au lieu de passer le temps à s'insulter sur une affaire d'amour, la gola m'a laissé, elle n'est pas bonne, elle est comme ça, le gars là m'a laissé là. C'est tout ça là, on va régler le 13 février. Alors Mon Désir, en tout cas, tu es là avec ton manager aux yeux d'amour. Nous allons parler de la fête des amoureux, Saint-Valentin. Alors bien avant que vraiment on va engager... Tu vas saluer le peuple ouais, ton peuple, en tant qu'artiste de qualité, artiste international. Tu vas les saluer dans un petit a cappella et ensuite tu vas maintenant leur dire un mot en ouais. Voilà. Yes, Zola. Jule no amor, amor, amor. Awe bla o gbede o gya ye mai to nda o dia. Awe gbede o gya ye mai to. Wo tra din ye no blo ke yo kwen yo kwen yo kwen. Votre dernier, je me dis, yo, quoi, 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 y
c'est des mots forts. Voilà. Alors, mon désir, le 13 février, ça se prépare sur le plateau. Tu es déjà à web parce que c'est pour régler le problème des web. D'accord. Une chaîne, je ne sais pas comment appeler ça. Déjà, merci. Technicien. D'accord. Donc, on y va. Alors, comment on peut expliquer se mettre ça en tête. Voilà. Pour répondre à ta question, ce jour-là, tu n'as pas de ventine. Il faut parce que là où il y a mon désir, là, il y a
il y a traitement. Alors, le médecin, ce serait vraiment une question de traitement réel. Hein? Oui, mais bien sûr, parce qu'on ne peut pas inviter... Comme il le dit dans sa chanson, il y a une affaire de gourmet. Mm-hmm. Il dit que... Une affaire de le gourmet. Le gourmet, c'est la déception amoureuse. Ah, la voilà, déception amoureuse. Là, tu as le gourmet. Là, tu as le gourmet. D'accord. Et comme le DG vient de le dire, le docteur, mon désir est là pour soigner le gourmet. Gourmet. Voilà. On ne fait plus de palabres pour des questions de gourmet sur les réseaux sociaux. On vient le 13, chacun prend sa solution et rentre chez lui. Désormais, gourmet est gourmet. Terminé, c'est réglé. Donc, rendez-vous est pris. C'est à partir de 20h, c'est ça? Oui, de 20h. Jusqu'à l'eau. Alors, qui sont les officiels? D'accord, permettez-moi de répondre au DG. Allez-y, professeur. On a d'abord comme le parrain, le président Yonka. Mm-hmm. On s'est dit au passage. Comme pour parrain, nous avons M. Ouattara Sidou. Voilà. Yonka est le parrain de cette importante cérémonie. Effectivement. D'accord. Très bien. Et le président de la cérémonie, c'est Aline Passon depuis la France. D'accord. La patronne de la cérémonie, c'est la maman que nous connaissons tous, Martine. Et on a invité spécial, M. le maire, Boudit Bayala, et M. Oufoué Augustin. Il est toujours classé artiste. Et M. Oufoué Augustin. Voilà un peu les officiels de la soirée. Tous ces officiels qui constituent ce budget de votre activité dont vous avez besoin pour que votre cœur soit rempli, et Dieu le fera, et surtout que nous sommes dans la semaine des amoureux, et Dieu qui a créé l'amour ne restera pas indifférent, il saura comment vous bénir. En tout cas, alors, Manadia, au-delà des officiels, est-ce qu'il y a des personnes qui sont invitées de façon spéciale? Oui, il faut dire que tout le monde est invité. Pas les officiels, tout le monde est invité, les associations, tous nos élus, Guémont et Cavalier, voilà. Ne pas oublier certains noms récents, bien sûr. D'accord. Voilà, donc tous nos cadres élus du Cavalier et du Guémont sont tous invités. Et nos associations, nos différentes associations également. D'accord. Alors, merci pour le son. Bon. Notre exemple, c'est voir. Combien de femmes et combien d'hommes vraiment y attendent? Bon, je pense que le maquis vert et puis le poète contenaient déjà 500 personnes. Voilà, donc le bon parti, on pourra dire 250 hommes et 250 femmes. D'accord. Alors, donc vous comptez recevoir sur cet espace 250 hommes, 250 femmes, ça fait 5 personnes 500. Ce jour-là. Alors, ceux qui n'ont pas de Valentine, vous avez la possibilité de choisir entre deux ou trois Valentines. C'est-à-dire ce jour-là, c'est votre jour. Donc, on ne va pas vous donner une seule Valentine. Voilà, vous aussi, on ne va pas vous donner un seul Valentin. Parce qu'on appelle ça, c'est le jour de mon jour. Voilà, le jour de mon jour-là. On ne va pas se laisser. Voilà. Alors, mon désir, encore à Capella, très spécial, ça va aller à ceux qui ont Valentin, que le. Ah, Olivier,
vous-même ne venez pas, ne soit pas à l'hôpital, ni chez le marabout, ni à l'église. Ça se soigne le 13. Voilà, le 13. Celles qui sont en toi. On ne fait plus le prévoir l'artiste Mondesi. Comme le dit le DG désormais, il est le Lato Crespino, il est Bétika, il est Lolo Tiana, tu peux voir. En amour, en musique traditionnelle, quand on parle, il s'agit de Mondesi. Donc, il lance un grand appel. À tous les fans de la musique traduite moderne, et à tous les fans de la musique traduite moderne, ouais, rendez-vous est plus pour le 13 février. Nous souhaitons une tenue de rouge blanc, si possible. Et puis, un blanc. D'accord, donc la tenue exigée, c'est le rouge blanc. La tenue. Alors, la tenue souhaitée, pas une tenue exigée. Ça veut dire que tu peux porter ce que tu veux. Voilà, mais la tenue souhaitée, c'est le rouge blanc. Voilà, que le rouge soit en haut, que le rouge soit en bas, l'essentiel, que ça soit du rouge blanc. Voilà, d'accord. Le son est en train de fatiguer, les spectateurs. Au fil de la mesure, on est en train de voir le problème là. Donc, je vais repartir par un petit coin. Ça vous fatigue un peu, d'accord. Satisfaction. Voilà, comme on l'a dit, le manager, la tenue souhaitée, c'est le rouge blanc. Que le haut soit rouge, que le bas soit blanc, ou que le bas soit rouge et que le haut soit blanc. L'essentiel, c'est d'être en rouge
au blanc, c'est la tenue souhaitée. Mais ceux qui veulent ce jour-là se saper en baisse, venez d'abord baisse quand même pour séduire les femmes, les valentines. Voilà. Et puis les valentines qui font que porter du rouge au blanc, ça va les fatiguer. Ça vous donne un milieu extraordinaire. Venez ce jour-là. C'est la fête. Pas encore la porte de cette cérémonie. C'est un samedi. C'est ce samedi qui arrive. Voilà. Le samedi 13 février 2021. De 20h à l'aube. C'est la grande cérémonie des amoureux. Saint-Valentin, Sainte-Valentine. Avec l'artiste professionnel international, le médecin de l'amour, docteur Montdésir, qui va nous accorder encore une chance et une fois dans l'année. Si tu t'es amusé à aller dans un autre endroit et que tu as raté cette occasion, il ne faut pas dire après qu'on n'a qu'à voir le médecin, tu vas venir le voir à deux pour qu'il essaie de te voir une ordonnance, comment tu régler. C'est maintenant qu'il faut partir prendre ton onction de l'amour. Et puis avec même mon désir, moi je sais une seule chose, c'est que ce jour-là, soyez en sûr, vous allez avoir votre mariage. Mariage, je vais avoir ça. Parce que c'est un enfant pays. Quelqu'un qui a chanté une chose de maman, Yodo, mon désir. Même les enfants de ce pays ne peuvent pas oublier ça. Et puis, c'est ce que j'avais aimé, mais tant que les mères continuent toujours d'être vivants dans sa carrière, un artiste comme ça, un médecin comme ça, et nous donner une chance pour régler la question des amoureux, le 13 février, pour être à plus de 20h. Oui, il va faire en sorte que chacun de nous soit heureux, comblé, soit à l'aise. Il va prendre toutes les dispositions. Comment on peut rater une telle cérémonie? Même là, même, il a dit que le sol va vibrer ce jour-là au rythme. Est-ce que vous connaissez quand l'amour en plein rythme? Demandez à son manager. Explique-nous un peu quand l'amour en mouvement. Moi, mouvement, comment ça se passe? Rendez-vous le 13, si vous voulez savoir. Voilà, rendez-vous, je ne vais pas dévoiler tout aujourd'hui. Voilà. Rendez-vous le 13 pour savoir comment l'amour vibre. Et puis, c'est-à-dire que l'amour va venir ce jour-là comme un tourbillon. Vous connaissez le tourbillon? L'amour va venir comme un tourbillon pour emporter en même temps les Saint-Valentine. Puis les Saint-Valentin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas inventé. Nous, la place c'est bien. Psychologie à côté de la ville avec l'artiste à soi qui est nommé le docteur de l'amour. Montdésir, d'où venez. Ça va, on va se laisser. Alors, Manadia, nous sommes déjà à la fin de notre émission, mais il faut rassurer encore les gens qu'on aura un deuxième passage. Pour quand même soit satisfait parce qu'on a un problème de son. Alors Manadia, donne-nous l'assurance que le deuxième rendez-vous est prêt. C'est Raphaël. Ok. Merci d'abord au groupe Info Gagnant. Mm-hmm. Voilà. Je voulais rassurer tous les mélomanes que nous-mêmes nous avions fait constat de problèmes techniques tout à l'heure. Mm-hmm. Et nous vous rassurons que avant le samedi, voilà, avant sera, samedi là, avant samedi, on sera sur le plateau. Un second passage ici sur le plateau d'Info Gagnant. D'accord, voilà. Alors, on va aussi demander à l'artiste pour nous rassurer que avant samedi, il y aura une dernière émission, où le son sera vraiment impeccable. Je crois que déjà mon manager a déjà tout dit. C'est ça. Voilà, rester toujours sur l'Info Gagnant, voilà.
Donc on va encore faire un autre programme. D'accord. Avant la fête. Voilà. Donc demain jeudi, entre jeudi et vendredi, ils seront encore sur ce plateau à partir de 17h pour parler encore de cette importante cérémonie. Et là, le son sera impeccable. Voilà, c'est sur cette belle note que nous pouvons nous laisser.